L'agriculture contractuelle, en tant que modèle d'affaires inclusives, offre plusieurs opportunités aux producteurs, aux sociétés coopératives. C'est d'abord le marché, avoir accès à un marché sûr, un marché permanent dans le long terme. Deuxième chose, il donne aussi accès à un certain nombre de services, des services financiers, des services de formation, des services de mécanisation, tout un lot de services qui permet aux producteurs de pouvoir vendre un produit de qualité à l'acheteur. Il faut penser, il faut comparer peut-être l'agriculture contractuelle avec les autres manières de s'approvisionner ou de vendre aux acheteurs. Ça, c'est le marché au canton. Donc, il faut comparer ça. Et avec l'agriculture contractuelle, on peut assurer une réduction des risques, si ça marche bien, et de l'accès au marché, des prix, de l'approvisionnement, mais aussi la réduction des pertes post-récolte, pourvu que c'est bien géré et bien planifié. Je pense que l'agriculture contractuelle est l'un des modèles les très innovateurs qui permettent aujourd'hui aux tout petits producteurs d'être inclus dans une chaîne de valeur où ils travaillent, mais ils savent qu'ils travaillent avec des partenaires que eux seuls, ils ne pouvaient pas avoir s'ils étaient seuls. Mais le fait qu'ils soient dans une chaîne où ils ont des partenariats avec des acheteurs, où l'acheteur peut également les aider, fournir des services, eux-mêmes ils fournissent leurs produits, offre vraiment une inclusivité aux petits producteurs. Et c'est une opportunité de marché, une opportunité de service rendu, une opportunité de qualité de produits mis sur le marché et beaucoup d'autres services dont le petit producteur peut bénéficier. Le principal facteur de succès, c'est la confiance entre les producteurs et les transformateurs. Si on n'a pas la confiance au départ, ça ne marche pas. Le deuxième principal facteur de succès, c'est la formation, l'information et la formation à tous les niveaux, tout au long de la chaîne de valeur pour garantir le succès des contrats. Effectivement, c'est tel que dit, c'est très intéressant, mais ça nécessite du temps pour se construire. Et le temps, pourquoi ? Le temps pour construire une relation de confiance. Parce qu'il faut une vraie confiance entre l'acheteur qui reçoit les produits et les producteurs ou les groupes d'OP qui fournissent le produit. Donc, c'est un facteur clé, la confiance. Un facteur clé également, c'est qu'il faut qu'ils se partagent les risques. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Les principaux facteurs du succès, c'est une très bonne, je pense d'abord, une très bonne structuration qu'il faut déjà mettre en place. Il faut trouver non seulement les partenaires, comme je parle des partenaires, je parle déjà des producteurs, des unions de production qui sont prêts à suivre vos conditions, ça veut dire pour comprendre déjà le modèle et que vous pouvez avoir le même objectif. S'ils produisent beaucoup et que nous, on a un prix pour eux rémunérateur, ça veut dire un prix d'achat plus élevé que d'habituel, ils ont un avantage de vendre leurs produits avec nous. Les principaux facteurs de succès de l'agriculture contractuelle, c'est d'abord de bâtir sur des modèles qui existent déjà. Et il faut vraiment limiter le modèle d'affaires à des financements qui sont faisables et adaptés à ces entreprises et à ces sociétés coopératives. Il faut qu'il y ait un engagement et une forte motivation vraiment des parties prenantes pour l'agriculture contractuelle. Et ce matin, nous avons discuté un peu des questions liées au diagnostic parce qu'il faut une bonne diagnostic de base pour savoir quels sont les OPA qui doit s'engager dans l'agriculture contractuelle. Ce n'est pas tous les OPA qui peuvent s'engager. Donc, il faut trouver des OPA dynamiques qui sont prêts, motivés à s'engager dans l'agriculture contractuelle. Et aussi, pour terminer, je peux dire que en fait, l'agriculture contractuelle, l'un des facteurs aussi de réussite est qu'il faudrait que les parties prenantes au monde de l'agriculture contractuelle s'entendent vraiment chaque fois à respecter les clauses du contrat. Les risques, il y en a de différents types. Le principal que je puisse voir, c'est le fait que la contractualisation papier n'est pas une tradition au sein de la société africaine. Il n'y a pas beaucoup de valeur donnée à une signature, mais on arrive quand même avec des formations et avec de l'information à mettre en œuvre de vrais contrats. Au fait, l'agriculture contractuelle doit être basée sur un marché sûr. Si le marché n'existe pas, il n'y a pas d'agriculture contractuelle. Parce que c'est le marché qui absorbe la valeur ajoutée, ce qui est issu du modèle. Les risques aujourd'hui que nous avons, c'est que quand on parle de l'agriculture contractuelle, on voit beaucoup de préalables qui méritent d'être financés. Et aujourd'hui, c'est un
challenge pour beaucoup qui voient c'est bon, mais comment on peut se lancer? Donc, un gros challenge aujourd'hui, c'est le financement de l'agriculture contractuelle et faire comprendre aux acheteurs dans un compte d'exploitation bien détaillé que s'il y a des profits, mais c'est des profits sur du long terme. Et donc, ça nécessite vraiment de s'investir. Donc, le challenge, c'est le financement et que chacun puisse comprendre son rôle réellement dans cette agriculture contractuelle. Je veux dire que le risque principal, je pense qu'aujourd'hui, ce sont les changements climatiques. Le fait que les saisons de pluie, je veux dire, se décalent au fur et à mesure, n'est-ce pas? Par moins 2 mois, 45 jours et au-delà de ça, ça met beaucoup les investissements, surtout sur la production, en risque. Ça, c'est le risque majeur. Et moi, je vois aussi quand même, il faudrait qu'ils soient conscients que le risque existe et qu'ils puissent développer des mesures anticipatives. Il ne faut pas que c'est lorsque le risque survient qu'ils commencent à réfléchir. C'est-à-dire que déjà, ils peuvent déjà penser au risque possible, potentiel, par rapport au risque potentiel et les mesures potentielles qu'il faut déjà prendre de façon anticipative pour que lorsque le risque survient, ils puissent trouver. Il faut aussi qu'ils développent aussi l'assurance. L'assurance à la base, parce que c'est ça qui permet aussi de minimiser aussi les risques liés à l'agriculture contractuelle. Il y a des besoins pour que les relations contractuelles puissent se réaliser. Si c'est par exemple les producteurs, ils ont besoin de financement pour produire les intrants. Ils ont besoin des intrants pour produire. Ils ont besoin, l'acheteur par exemple a besoin d'un financement pour collecter la production. Et ensuite, les services autour. Les services de formation des producteurs, les services techniques, comment suivre pour que le produit soit de qualité, les services de communication, d'information entre les deux partenaires, tous ces services également ont besoin d'être financés. Il faut avoir encore une gestion de financement professionnelle parce que la trésorerie, le flux de trésorerie joue un rôle très exigeant pour les acheteurs. Et souvent, ils ne gèrent pas bien parce qu'ils ne connaissent pas encore les besoins en préfinancement et en financement des opérations sur le terrain. Donc, il faut vraiment développer un système de gestion assez sophistiqué. On a affaire à des chaînes très structurées. On a affaire à une augmentation du revenu du producteur parce que, tout petit qu'il est, il a accès à des technologies de qualité, des semences, des intrants, et il respecte les normes de qualité dont l'achat a besoin. Et donc, il augmente la valeur du produit qu'il met sur le marché. Lorsque le modèle marche, ça génère des revenus pour les parties prenantes, mais également pour toute la communauté qui sont intégrées, les bénéfices sont énormes, et ça permet aussi de sécuriser le marché. C'est bien géré, bien faire, ça veut dire qu'on a un producteur, n'est-ce pas, qui est heureux, parce qu'il arrive à nourrir sa famille, il arrive à envoyer ses enfants à l'école. Ça veut dire qu'il peut, en fait, je veux dire, réaliser ses besoins. Il travaille moins dur, mais plus efficace. Nous aussi, on peut aussi se sentir heureux. Non seulement on fait du bénéfice, on a la facilité de pouvoir organiser, structurer et aussi faire aussi des projections sur des années. Donc, on peut faire des bonnes marges et ça peut nous faciliter aussi après aussi encore en fait à grandir notre capacité et éventuellement peut-être aussi aller à l'exportation et faire en fait baisser aussi le producteur le consommateur final à pouvoir vraiment manger un bon riz de bonne qualité. Vous avez demandé les impacts qu'on a atteints jusqu'au jour depuis qu'on a développé la méthodologie de la GIZ pour promouvoir l'agriculture contractuelle comme modèle d'affaires inclusif. Bon, c'est déjà au niveau de la GIZ que plusieurs types de programmes ont adopté l'approche. Ça commence avec les programmes bilatérales, dans l'agriculture, mais aussi promotion du secteur privé. Ce sont les centres d'innovation verte, ce sont des projets de formation professionnelle, ATVET en anglais, ce sont des projets régionaux, comme Competitive Africa Rice Initiative, CARI. En parallèle, il s'est développé un intérêt aussi chez d'autres partenaires, bailleurs de fonds, comme l'Agence française de développement. C'est au Maroc, par exemple, l'Agence nationale de développement agricole, qui ont organisé une formation de leur staff, par exemple. C'est au Burkina Faso, à Agra,
Green Revolution in Africa. C'est au Burkina Faso encore Annabelle, les Belges. Et en plus des bailleurs, il y a aussi un intérêt au niveau des sociétés, des acheteurs qui développent un intérêt et qui sont prêts déjà à payer aussi pour les conseillers, les coachs qui accompagnent le développement de leur système d'agriculture contractuelle. Bon, au Bénin, on a commencé l'agriculture contractuelle depuis 2016, mais nous avons commencé d'abord à clarifier le concept de base, parce qu'il faudrait que les gens comprennent de quoi il s'agit concrètement. Lorsqu'on parle d'agriculture contractuelle, c'est quoi? Donc, on a fait des formations au niveau macro, méso et micro pour expliquer le concept. D'abord, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit concrètement. Et ça a permis vraiment de clarifier désormais les différentes, je peux dire, sous-bassements de l'agriculture contractuelle. Et après ça, nous avons identifié, fait un diagnostic pour voir quels sont les besoins pour aller vers l'agriculture contractuelle. Carrie a déjà facilité la contractualisation de pratiquement 50 000 riziculteurs, dont environ 40% sont des femmes. Avec Agra, l'agriculture contractuelle nous a permis de sécuriser beaucoup de technologies que Agra développe. Et donc, l'agriculture contractuelle est venue comme un véhicule pour permettre de transporter cette technologie et d'avoir de l'effet sur les producteurs. Et donc, conforte également les institutions financières à venir travailler dans un cadre déjà où des acteurs s'entendent, se partagent des expériences. Il y a quelques entrepreneurs qui sont déjà prêts à payer pour ces coachs. Et c'est pour ça, bon, ça, ce que nous voulons atteindre, une appropriation de l'approche par le secteur privé, par le secteur financier. Et là, on voit déjà quelques résultats.